Bah alors, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu te tapais comment là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est passé quoi? On n'avait plus de tes Ne nouvelles. parle pas. Depuis que ces cons d'habitants de Proxima du Centaure se sont aérianisés, ça devient le bordel dans cette galaxie. Il y a une nouvelle boîte de nuit qui s'est ouverte. C'est le délire. Mais ce que je savais pas, c'est que c'était une boîte gay. J'en ai encore mal au cul. Bon, maintenant trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Vous vous intéressez à l'histoire de Rennes le Château et croyez que Béranger Saunière en est le centre? Grossière erreur. Franck va vous le prouver. Si vous écoutez avec attention, il vous sera possible de comprendre la genèse de cette intrigue, avec des preuves écrites et cachées par Boudet lui-même dans son ouvrage La VLC. Donc, Franck, qu'as-tu découvert de si important pour faire progresser l'histoire de Rennes le Château? Bonsoir. Je vais commencer par vous traiter de la page 194 de la vraie langue celtique, où l'abbé Boudet nous parle de la Garonne appelée Garumna et de ses habitants, les Garumnites. De cette explication, il en arrive à nous parler de la présence des troupeaux d'Isards. Pourquoi justement ces Isards, enfin les Isards, hein, sont les chamois, donc ces troupeaux d'Isards? Eh bien parce que ce sont des bêtes à cornes. Et pourquoi des bêtes à cornes? Bah, ça nous fait quand même penser à certaines entités présentes sur la colline. Mais pourquoi donc plus que ça? Qu'est-ce qu'on y voit de plus? Eh bien, on voit aussi que, enfin, il nous parle aussi de deux ou trois vieux mâles qui portent, qui se postent en sentinelle sur les éminences. Donc, ils sont là en surveillance. Mais en surveillance de quoi? Certainement pour surveiller un château. Donc, s'il considère que lui, l'abbé Saunière et aussi l'abbé Gélis, très certainement, parce que je l'ai démontré dans dans le saut pêcheur, que Gélis était présent aussi, et il se présente en gardien du temple, enfin certainement. Et donc, il y a un autre problème, c'est qu'il évoque le mot garum, et les garumnites, on s'en fout des garumnites, sauf que le terme garum est à l'intérieur. Et garum est une soupe de poisson qui était adorée des Romains, mais c'est une soupe de viscères de poisson. Et il ne faut pas oublier que les viscères de poisson sont le seul élément qui peut repousser Asmodée. Donc, je suppose que ce que j'avance est une réalité et pas une fiction, comme on peut toujours le voir. Là, on a une véritable réalité sur le fait que qu'ils attendent, enfin qu'ils se présentent comme Asmodée, et que les autres, les Garumnites, donc, sont le répulsif à Asmodée. Voilà. Après, mon bon Anaou, continue. Donc, ce que tu nous expliques ici est que le diable présent dans l'église de Rennes-le-Château est bien Asmodée, et pas une autre entité. Effectivement, Boudet l'explique clairement pour qui veut chercher un peu. Pas besoin de 50 ans de recherche, comme tous ces spécialistes, pour annoncer cela, et en voici encore la preuve. Oui. Alors, là, je vais être obligé d'attaquer avec tout un texte que je vais vous mettre en ligne après, que vous allez avoir au début, pour pouvoir bien regarder les tenants et les aboutissants pour accéder à une diffusion par l'abbé Boudet lui-même avec son titre. Et son titre est vraiment un élément moteur pour tout le reste. Étant donné que le renne celtique, enfin la vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains, se décompose par deux initiales à chaque fois. Il y a un binôme d'initiales, LV, LC, ELC, alors là c'est un trinôme, de Rennes-les-Bains. Bains. En considérant qu'il nous parle toujours, et tout le temps d'ailleurs, des miroirs, comme tu peux le voir ici, il nous parle des miroirs. Et là, les miroirs, si l'on considère que l'on part de la composition Rennes celtique de sa carte, et que nous mettons BL, donc c'est-à-dire comme les bains, c'est-à-dire tout à l'envers, RD comme deux rennes, et CL comme le cromlech, et en considérant le ET comme
un binôme de lettres avec ET, nous arrivons à une décomposition en quatre phases. Tu vois, ici, une décomposition, t'approches pas trop, tu vas te cramer les yeux. Et cette décomposition nous fait arriver à You Can Find My Hill, que l'on inverse et où l'on a le fameux Vous pouvez trouver ma colline, dont j'ai traité dans plein de vidéos. Et ça, en quatre phases. Sauf que ceci est la décomposition du HB. Et on peut découvrir le HB en une fois, avec Rennes Celtic, HB avec la composition HB, on arrive à You Can Find My Hill. Donc, ce qui fait que Henri Boudet avait donc créé un premier codage en passant par son titre pour amener un codage HB. Si l'on ne comprenait pas le premier, peut-être allait-on comprendre le deuxième. Voilà. Et donc, à partir de ça, nous avons tous les éléments pour pouvoir composer le You Can Find My Hill qui nous donne la suite des événements parce qu'après, on a l'anglais phonétique You Can Find My Hill et on arrive à trouver les autres choses qui sont sur les autres vidéos qu'on a composées depuis avec Anao et tout ça pour nous montrer qu'en comprimant, on pouvait arriver au code suprême qui sont ses initiales. Et donc, on pouvait le comprendre que comme ça. Alors après, je vous fais tout un résumé de tout ça sur le au départ. Alors c'est pas dans les comment ça s'appelle le décomposé de la vidéo en dessous là c'est pas dans les descriptions merci mais ce sera uniquement sur l'écran. Vous l'aurez sur l'écran. Vous pourrez regarder tout ça. Je vous l'ai mis au clair et comme ça vous pourrez comprendre les éléments pour pouvoir décomposer le titre de la vraie langue celtique avec ce que je vous affirme là, ce que je vous confirme là. Donc voilà. Maintenant, Anao, à toi. Donc ce titre n'a pas été, comme tu nous l'as dit, utilisé au hasard. Encore des éléments surprenants dans cette affaire. Puisqu'ils sont à l'origine de cette histoire et n'ont pas pu être manipulés par De Cède ou Plantard, car inconnus de tous. Et ce sont les fruits de nos recherches. Au revoir et à très bientôt, je l'espère. Relax, don't you wear when you wanna.